habit de viance. Quel mauvais choix. Quelques kilomètres plus loin, elle aurait pu vivre dans le plus beau village de la galaxie, j'ai nommé Talin. Mais soit, tout le monde peut se tromper. Formée initialement au journalisme, Julie a rejoint la maison du tourisme de la Haute-Lesse en octobre 2013. Et apparemment, elle s'y sent comme un poisson dans l'eau. Elle s'implique sans compter avec ses collègues pour donner au village environnant et à Talin l'aide et le support que cette belle région mérite. Particulièrement volubile, c'est une femme, c'est normal. Julie parle avec tout le monde, notamment au téléphone, où une simple demande de renseignement peut vite se transformer en un panégyrique de 50 minutes. Des bruits mesquins prétendent même qu'en virée, elle est capable de faire la conversation à des poissons rouges dans un aquarium. C'est un bruit qui se veut insistant et que je ne relaie ici que par pur souci de médisance.